Bien joué. T'en as pris un compliqué. C'est quoi ce crack? Ça va? Salut à tous, c'est Ariane et voici Elsa, ma petite sœur, que vous avez certainement déjà vue dans le coin. Aujourd'hui, comme on s'ennuie, et aussi parce que c'est un chouette jeu, on a décidé de faire le First Sentence Challenge, que vous avez certainement déjà vu sur BookTube. C'est pas très connu, pas très original, mais c'est très chouette. Il s'agit de quoi, est-ce que tu sais? Ok, je vais expliquer. On va chacune prendre à notre tour un livre dans la bibliothèque de l'autre et lire la première phrase, et l'autre qui aura les yeux bandés va devoir deviner de quel livre il s'agit. Arrête de faire toutes ces têtes. Tu sais, je te vois dans le retour image. Et quand il y a un nom, on peut pas dire le nom. Enfin, on doit faire un autre bruit pour... Un autre bruit. Elle veut dire masquer le nom, entre guillemets, censurer le nom, pour pas que l'autre devine trop facilement, parce que si la première phrase c'est Harry Potter retourne à Poudlard, ouais. On va commencer en espérant que cette vidéo soit pas trop chaotique. J'arrive pas à me concentrer quand elle est à côté. En plus, je la vois... Regardez la tête qu'elle fait. Arrête. Ah oui, dernière précision, on a décidé de faire 5 livres chacune pour que la vidéo ne soit pas trop longue non plus. Après, c'est pas comme si elle avait lu 10 000 livres. T'as lu combien de livres? Si, elle lit bien. Au moins 20. Mais elle lit bien, c'est juste que d'habitude elle lit en néerlandais, donc... On peut pas les compter avec. Oui, vous risquez de pas trop comprendre. Voilà. On y va? Ouais. 2 hours later. Voici le livre, je sais pas si vous connaissez. Moi je sais juste qu'elle l'a lu. Bon, vas-y. Alors, nous l'avons pendu sur le parvis de la cathédrale de Kingsbridge. Je sais pas si je prononce bien. Kingsbridge. Ça me dit quelque chose. D'office. Oh, je sais ce que c'est. Quoi? C'est... Ken Follett, une colonne de feu. Oui. Oui! Je sais. Oh oui, c'est un gros pavé historique que j'ai lu il y a 2 ans. Désolée, j'ai failli penser Maric. Mais là, il y a un marque-page. Oui, il y a un marque-page. Mais c'est parce que je l'ai acheté chez Penmel. Au fait, j'ai jamais lu la version papier. Je l'ai lu sur ma liseuse. Ok, à ton tour. Super. Ok, mais tu me dis si je suis belle. Je suis belle. Mais pas dire que je suis belle parce que je suis toujours belle. Hein. Oui, tu es toujours belle, Elsa. Non, rien, je suis vraiment belle. T'inquiète, tu n'as pas l'air ridicule. Mais oui, ça fait un peu. Non, t'inquiète. Un très beau livre que je lui ai conseillé. Ah, je sais. Oh merde, je suis con. Mais tu m'as j'ai vraiment con. Oh là là, pourquoi ces jeux-là, je me fais toujours avoir comme une débutante. Mais non, tu sais pas nécessairement ce que c'est. Mais si. Il y a plein de livres. Elsa, je passe ma vie à te conseiller des livres. Non, mais ça, c'est vraiment que tu m'as conseillé. Bon, il y a des choses qui vont me manquer quand j'aurai quitté la Clyde Academy. C'est quoi ça? La quoi, Academy? La Clyde Academy. Mais tu sais, il y a des livres dans la bibliothèque que j'ai pas lus. Hein. Mais Elsa, je sais ce que tu as lu. Je suis sûre que les 5 livres que j'ai pris, c'est des livres que tu as lus. Parce que je connais pas tous mes livres. Déjà, c'est pas Harry Potter. Je crois. Non, je ne pense pas non plus. C'est pas les autos d'affaires. C'est pas dans une Clyde Academy. Mais déjà, enfin, tu peux dire la phrase? Je peux. Il y a des choses qui vont me manquer quand j'aurai quitté la Clyde Academy. Alors réfléchis. Déjà, c'est pas un premier livre. Si? C'est pas possible. Bon allez, je te donne un indice, si c'est un premier livre. Bon, tu veux que je lise la deuxième phrase? Oui. Comme les macaronis au fromage, les... Oh, oh, je sais! Oui. Comment ça s'appelle? Cœur cerise ou un truc comme ça. Ouais, de... Catherine ou Clavis ou un truc comme ça avec un cœur. Cathy Cassidy et ses deux C. Ouais, c'est ça. Ah, je le savais. J'ai un point. Mais j'avoue, je suis assez forte à ce jeu. Enfin, pas pour inventer, hein, mais... Alors, ce livre-ci... Non. Mais la première phrase, elle est méga claire. C'est un prologue ou c'est un premier chapitre? C'est un prologue. Je le saute. Bah oui, il passe au premier chapitre. Mais je sais pas où c'est approché. Bah, tu feuilles. Tu feuillettes. Tu feuillettes. C'est ça le verbe. Oula. Vas-y. Je m'aventure au cœur de la cabane, un cube exigu dans lequel même... Tatatam a du mal à tenir debout. Ok, je retire tout ce que j'ai dit sur le fait que j'ai une bonne mémoire, j'en ai pas la moindre idée. Attends. Je m'avance au milieu de la cabane. Ou même tu. Ok, j'ai une question. Oui. Est-ce que c'est un livre que j'ai lu? Bah oui, rien.
Mince. J'en suis sûre et certaine. S'aventurer au milieu d'une cabane. Ouais. Mais la première phrase du prologue était trop claire. Ok, donc il y a un prologue. Tu veux bien faire la deuxième phrase, s'il te plaît? Ah, je croyais que j'étais forte à ce jeu. Oh mince, la désillusion. J'adore cet endroit. Oh. T'es sûre que je l'ai lu? Oui, j'en suis sûre. Tu veux bien lire la troisième phrase? Oh, je suis vraiment nulle à ce jeu, en fait, finalement. Quelques planches, une porte, une fenêtre, à peine plus grande qu'une lucarne, et le tour est joué. C'est pas un truc fantastique ou dystopique ou quoi que ce soit, parce que ça commencerait pas comme ça. Enfin, on parlerait pas d'une... Oh, je sais, c'est la sélection, le premier tome de la sélection. Allez, Elsa, c'est ça? Oui. Oui, ah oui, bah si. Ah, si. Ok, bon, bande-toi les yeux. Attends, parce que j'ai jeté le truc par terre. Merci. Honnêtement, moi c'est facile, hein. Je vais lui donner des cadeaux, vous allez voir. Donc voici le livre, je ne vais rien dire de plus pour pas le cramer. Oh mais non. Quoi? Je me souviens de la première phrase. Enfin je non, vois... Tu peux je... te souviens non, de la première je, phrase. Non, j'ai déjà vu, je l'ai... Oui, bref. Le profond silence qui régnait depuis un moment dans la classe fut soudain troublé par des rires étouffés. Je sais pas. Vraiment? Mais ça peut pas être Harry Potter, parce qu'Harry Potter, ça commence tout le temps dans à sa maison. Mmh. Elle va chercher la Harry Potter pendant toute la vidéo. J'ai combien de chances pour un livre? Autant de chances que tu veux, mais là, franchement, c'est pas compliqué. Je pensais vraiment qu'elle allait le trouver direct, mais apparemment, non. Je sais pas. Oh, je me juge pas, hein. Elsa. Mais d'après moi, j'ai que 4 livres que je me souviens d'avoir lu. Et Harry Potter, les autos d'affaires, Sacré-Cœur, enfin, encore Cerise. Mais ça peut pas être un Harry Potter. Ou alors, genre le 6 ou quoi? Non. Seul le meilleur élève de l'école, ne se laissait pas distraire par son travail et continuait à écrire sur sa tablette de cire. Elsa. Caius. L'affaire Caius. L'affaire Caius, c'est le livre qu'elle a lu la semaine dernière. Ah oui. Oui. Attends, mais c'était quoi la première phrase? Ah oui. Le silence qui règne dans la classe. Oui, je le savais. C'est un livre qu'elle a dû lire pour l'école et que j'ai lu aussi, donc c'est pour ça que je me souviens de la première phrase. En gros, je vous conseille ce livre parce que il est très chouette. Le premier chapitre est très long et du coup, moi, direct le premier chapitre, j'ai plus lu pendant une semaine parce que ça m'énervait. Mais après, la suite est très chouette. Merci, Elsa. Je peux choisir des livres en anglais parce que t'en as aussi en anglais. Hein. Mais vas-y, tu veux lire la première phrase en anglais devant tout le monde? Bah oui, grave. Ok, si c'est ça. Est-ce que t'as tout le livre en anglais? T'es sûre de vouloir lire en anglais? Oh mais non, mais c'est méga flagrant. Je peux juste prendre une phrase dans le livre. Mais Elsa, non! C'est pas le but du jeu! Elsa, elle change les règles du jeu. Alors, désolée pour mon accent anglais, je viens à peine de commencer l'anglais. Ça va être drôle. Je t'écoute. Beep 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 was born in Beep 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 in 1955. Mais j'ai pas une... Mais non, mais ça c'est le truc de l'auteur, Elsa. Non. T'es sûre? Non, moi je suis... Attends, peut-être... Ah oui. He was born in the Dying Day. Je sais pas comment ça se dit. In the Dying Days! He was born in the Dying Days, a long, long way by Sebastian Barry. Quelle horreur. Oui. Enfin non, très bon livre, mais... How? C'est le livre que j'ai dû lire. Non, t'as revenu en anglais, c'est bon. Mais ouais. T'as écrit dedans. Oui, j'ai écrit elle dedans. Elle maltraite ses livres. Mais non, écoute, j'ai elle passé... Elle maltraite... Hey, regardez, elle. Voici le livre que je vais lui faire deviner. Mais non. Mais c'est trop facile. T'as qu'à pas choisir ce livre. Mais en même temps, il n'y a pas énormément de choix dans ta bibliothèque, hein, tu m'excuseras. C'est trop méchant. Ok, je le fais, tu vas le deviner direct. Ok. My name is... J'ai pas lu le livre en anglais. Mais j'ai pas lu le livre en anglais. Elsa... Ben non, j'ai pas lu le livre en anglais. J'ai toujours aimé le rose. Quoi? Elsa, quoi? Oui! Bob Tarlouse, les aventures des... Non, c'est pas ça. Les Bob Tarlouse. Jamais lu en anglais. Mais Elsa, la première phrase est en anglais. C'est vrai. T'as vraiment une mémoire courte, c'est dingue. Elle l'a lu il y a 3 semaines. Non, ok, tu l'as lu pendant les vacances de Noël. Allez, elle l'a lu il y a 3 mois. Et regardez, en fait, c'est un livre à lire pour l'école. Et l'auteur est venu à l'école, et gentil qu'il est, c'est Franck Adria, il m'a signé un autographe. Un autographe. Sauf que, on voit pas. Intelligente comme elle avait oublié son livre, du coup, il a juste signé le... Ouais, il l'a pas signé, mon livre. Le marque-page. Allez, next.
voici le quatrième livre. Le monstre était là, devant nous. Mais je crois que je sais, mais alors t'as pas pris du bon côté, c'est pas possible. Miss Peregrine, le tome 2 ou 3, le tome 2. J'ai pris de quel côté? Mais t'as pris par là, t'as fait une sorte de feinte. Mais en plus, j'ai trop pensé. Oui, mais c'est Miss Peregrine. Le tome 3. Ouais, le tome 3. En plus, j'ai trop pensé, je me dis, Elsa, c'est trop le genre de fille intelligente qui va faire des feintes, faire genre qu'elle va chercher le livre là-bas, alors que pas du tout. Tu sais, je te connais. Hein. Voici le quatrième livre. Le choc a été très violent. Le camion a surgi de nulle part et a percuté la voiture de plein fouet avant de l'envoyer par-dessus les glissières de sécurité terminer sa course contre un grand chêne. Les autos d'affaires, tome 1. Oui. Elsa ! Allez, sérieux ! J'hésite entre ces deux livres et je crois que je vais prendre celui-là. Donc, on va prendre celui-là. Je fais ça exprès pour l'embêter. Alors, voici ce livre. Elsa, mais attends juste pour le chapitre. C'est en haut. Mais il commence méga long. Impossible, allez, vas-y. Bon, ok. On va... Je sais, c'est quoi ? Quoi ? Arrête, non ! C'est quoi ? Non, vas-y. Non, c'est quoi ? Je veux savoir. Est-ce que c'est le tome 4 d'Abbas Mirror ? Ta mère. Du coup, je prends l'autre. Tu sais comment je sais ? Il commence méga loin parce que l'Abbas Mirror, il y a toute une partie coulisses, présentation des personnages oui, avant que ça commence. La première victime fut Tatatam. Je ne vais pas trop savoir. Alors, c'est ça le premier tome de Darkest Mind ? Oui, c'est ça. T'es sûr ? Clairement pas, mais oui. Bah non, en fait, c'était pas ça. Ok, c'est pas ça. La première victime. C'était ça. T'as regardé ce livre-là ? Non. Quoi, je comprends rien. C'est okay. Darkest Mind. Ah, c'est Darkest Mind. Ah ouais, ouais, le bon vieux Darkest Mind. Voici le cinquième livre. À bien des égards, était un garçon des plus singuliers. Harry Potter. Lequel ? Évidemment. Le 5. Non. Le 4. Non. Le 3. Elsa. Le 2. Le 1. Oui, le 3. Mais c'est sûr, tu peux pas faire comme ça, Elsa. Rien, oui, c'est Harry Potter 3 qui s'appelle Harry Potter et Revenge of Azkaban. Et le prisonnier d'Azkaban. Elle l'a lu en irlandais. Oui. Donc c'est pas du tout qu'elle se souvient de la première phrase, hein, faut pas croire. Je rêve qui est en train de tourner de la pelouse. On tourne une vidéo ici, ok ? Bon, vas-y. Donc voilà, c'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui avec Elsa. Merci Elsa d'être venue. J'aimerais trop faire. Alors voilà, si vous voulez un deuxième épisode de ce genre, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. Aujourd'hui, on va essayer d'avoir les 5 likes, ce serait super. Mais qu'est-ce que je dis ? Je sais pas. Enfin bref, voilà, c'était une très chouette vidéo. Merci d'avoir fait ce jeu amusant avec moi. Bah, en même temps, c'est pas comme s'il y avait beaucoup d'autres mondes. On est un peu en confinement. J'avais pas trop le choix, c'était Elsa ou personne. Non, je fais autant, je t'aime. Et dites-moi si ça vous a plu. Enfin, dites-nous si ça vous a plu. Et si vous voulez un deuxième épisode. Tu l'as déjà dit. Mais je sais pas si t'allais couper ou pas. Oui, tout ce que tu dis, je vais couper. Elle sera nulle, ta vidéo. Donc ça, je vais couper. Quoi ? Ça, je vais couper. Ah non, t'es vraiment une gamine. Alors ça, je vais couper. La tresse de gauche, puis l'oreille droite. Je vais te couper en bout de mèche, je me coupe en bout de mèche. Non, c'est moi qui fais. Non. Ok, oh, bref, c'était un plaisir de vous voir aujourd'hui. Et on va garder ces ciseaux hors d'atteinte d'Elsa, c'est vraiment une gamine. Et à la prochaine, au revoir.